Bonjour chers amis internautes de MMM TV. Aujourd'hui, nous parlons à la rencontre de notre député MMM pour qu'on ait un peu toute l'impression de la première séance parlementaire qui s'est passée la semaine dernière. Nous pouvons aussi demander est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas par la réponse qu'ils ont gagnée par le ministre concerné. Et aussi, nous pouvons demander de la sixième d'actualité qui peut y avoir pour la semaine prochaine. Camarade Rajesh, parlement une réponse mardi dernier. Qui a eu l'impression pour sa première séance là? Ça, l'équipe MMM avec à la tête Paul Béranger, mardi dernier, une fête ouverte au gouvernement, tout est clair. Et bien que le leader de l'opposition, camarade Paul, tout le scandale de l'affaire Dayal, quand il rend tout à la surface, le Premier ministre a accepté, il a dit, c'est moi, encore plus garde les ministres. Et puis ça, finalement, aussi, mon conseiller, par Casman Toura, Dave Bicari, autres salaires qui finissent déposer après plus qu'une bonne année, mais aussi ban board qui m'ont demandé de siéger. Et là, le Premier ministre, il cachait de réponse. Il dit, je ne suis pas siège de ban board, je suis bicarré siège d'un seul board, fausse, des bicarré siège de Shopping Paradise, dit, même il a fait une mission de procession pour du Tifi Paradise, ma pas Mantoura siège de BOI, il siège de EMO, il siège de BY, c'est ça qui nous connaît, ça. Alors, mon intention retourne. À la sorte, pour dire que le Premier ministre n'a pas de réponse qui bizarre. Et même, Baby Karim voyageait dans le premier, soi-disant, et mon richesse corridor au Singapour, tout lit la télévision. Et puis ça, tout le monde des autres qui sont, qui sont camarades, ils l'ont. Et non, moi, ce qui est intéressant, c'est tout le problème qui est lié à la NTA, à la fitness. Je dis que le fitness passe misère, bien fait laquer, peine aménité, la pluie, soleil. Alors ça, entre autres, ça. Il y a plusieurs secteurs que les autres camarades ils posent des questions, mais nous avons un problème, Premier ministre. Question time, 10-30 minutes, mais les ministres finances, les ministres NDU, les ministres Rodrigue, les premiers ministres, les responsables de la police, à 30 minutes, nous sentons qu'il y a des temps perdus. Et aussi, il y a aussi les autres qui sont qui ont des réponses, qui n'ont pas de réponses, et nous souhaitons que quand les temps finissent, d'après Stanley Holders, quand le time limit finit, tout le monde se répond bien circuler. Nous pouvons veiller à ce qu'il y ait une réponse circulée et qu'il y ait une transparence. D'accord. Et qui ont priorité pour mardi prochain? Mardi prochain, moi, j'ai deux priorités. Un, ben, du monde qui prend gros loan, toxique loan, et qui a une arrêt d'étudier pour faire autre rendez. Parmi les M. Rakis Gouldjari, tout le monde connaît les publics, ça. Et dans les autres aussi. Bizan connaît combien de rendez depuis la dernière fois une réponse et qui ben, mesure une prend pour rendre la monnaie. L'autre question, on a trois questions de MBC. L'inacceptable qui MBC a encore eu sa voix de propagande. Pena directeur général, pena un bon management, et nazis ban nominé politique qui peut faire appeler le bouton. Nous n'avons qu'à pour être couverture parlement avec couverture conférence de presse de l'opposition. Alors, on a la ferme intention, moi, à qui le Premier ministre qui est responsable MBC. Et moi, je te dis une réponse et qu'ils n'ont pas fait l'arrogance. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Camarade Franco? Pour mardi prochain, qui est le sujet qui vous adresse à mon ministre du gouvernement? Alors en fait, mardi prochain, moi j'ai quatre questions. Deux adressées au ministre des Sports, une adressée au Premier ministre et qu'une autre adressée au ministre des Infrastructures publiques. Alors la question qui m'adresse au Premier ministre, c'est concerne l'utilisation de la langue créole au Parlement, surtout avec un débat qui peut venir en direct très bientôt. Je vais demander au Premier ministre si pas ce gouvernement compte aller de l'avant avec le projet d'utilisation de la langue créole dans un débat à l'Assemblée nationale. Ma deuxième question adressée au ministre des Infrastructures publiques, ça concerne ma circonscription, maintenant on a ma circonscription qui appelle Morcellement Hermitage à Coromandel. C'est un l'endroit qui fin bien affecté par une grosse pluie, quand fin un éboulement, etc. Alors, je vais demander au ministre des Infrastructures publiques qui côté il était avec ce plan de réhabilitation de ça, l'endroit-là. Alors, des questions qui me adresse au ministre des Sports cette semaine-ci concernent le DTN de football, M. Alain Happ. Je vais demander libre et qui sont les conditions de travail, est-ce qu'il y a un plan de réorganisation, de relance le football mauricien, entre autres. Et puis, mon autre question qui concerne le sport, c'est concernant le sport de SAT.
Alors, ces derniers temps, nous entendons le ministre des Sports dire qu'il a l'intention de venir dans le Parlement avec un amendement au Sport SAP actuel, qui date de 2013. Et on peut demander lui quand il peut venir dans le Parlement avec cet amendement-là. Et est-ce qu'il a l'intention, entre-temps, circule un amendement ou nouveau la loi qu'il pourrait amener concernant le sport. Voilà un petit peu les quatre questions qui inscrit à mon nom pour la séance de mardi prochain. Merci beaucoup, camarade Franco. Plaisir. Camarade Adil, oui. Est-ce qu'il vous satisfait avec bonne réponse qui a-t-il gagné de l'apport de ma ministre la semaine dernière pour la dernière séance parlementaire? En partie oui et en partie non. En partie oui par rapport à la question accident. Même qui boit sous l'influence de l'alcool, mais quand même dans sa question, on veut dire qu'il est premier ministre, il donne une réponse, qu'il est descendu de moi 6 mois de cela. Et aujourd'hui, il a resservi même rhétorique, et moi, je suis déçu qu'il s'est dit la dernière fois, pas de mettre en application, et moi, extrêmement inquiet le nombre d'accidents fatals qui est sur la route. Et quand nous avons une réponse qui gagne dans le Parlement, encore une fois, c'est un discours théorique. Mais dans la pratique, pas de mettre de mesures qui ont besoin de mettre en place, notamment tu connais une commission de l'accident qui coûte cher par le Premier ministre lui-même, qui examine de mettre sa commission dans sur pied, ni in fine, il n'a aucun comité de sa commission sur l'accident. Et deuxièmement, je tiens une question, le canal anglais dans vos circonscriptions qui besoin ranger, réparer au plus vite. Et jusqu'à aujourd'hui, Premier ministre, la dernière fois que je me suis mis sa question, là, dans Parlement, j'ai jamais fait l'étude, j'ai fait un survey, sa canal anglais là, mais après 6 mois, force est de constater qu'il n'a pas fait aucune étude, pas fait aucun survey, les 10 personnes qui restent là-bas, comme à chaque fois la pluie tombait, et il y a une inondation de l'eau dans la case. Donc, comment me dire, en partie, oui, mais en grande partie, je ne suis pas satisfait avec la réponse qu'il m'a gagné lors de la dernière séance parlementaire. Merci beaucoup, camarade. Première séance parlementaire la semaine dernière, c'est une séance très animée et très agitée parce que nous avons réussi avec M. le député à fuir complètement le gouvernement. Je suis camarade Paul Béranger avec ce PNQ, le RAS derrière, le tout connu qui situation du gouvernement était. Et d'apparemment, le député de la majorité et le Premier ministre qui bien embarrassé par rapport à sa PNQ, le RAS derrière, qui vous rappelle une dizaine de petites oppositions ministres démissionnées parce qu'il y a une grosse allégation de corruption lui. Donc, pour le moment, tu es bien agité, nous finis faire le travail, moi, bien, l'esprit est bien combatif et ben là, finis bien perdu. Là, pour une deuxième session parlementaire, demain, moi personnellement, mon trois sessions parlementaires, le côté de la santé, nous tout connaissons qu'il y a beaucoup de complaintes côté de médicaments. Non seulement il y a gaspillage de la part du ministère de la Santé, mais aussi il y a un doute de la qualité des médicaments, surtout qui gagnent de l'hôpital. Donc, on finit envoyer une question au ministre Daniel pour demander qui ban moyen il y en a pour contrôler la qualité des médicaments qui rentrent de l'hôpital, qui donnent de l'hôpital et qui servent, qui moyen contrôle il y en a pour faire un test et quand un test révélé qui ban médicament pas au nom requis au niveau international, mais qui diffère sa médicament, est-ce qu'il prend bonne décision pour retirer sa médicament depuis de l'hôpital. Demain, nous allons attendre sa réponse. Bon, de l'autre côté, nous connaissons qui sur le marché médicament, le ministère de la Santé peut venir avec un projet pour enregistrer et faire payer une licence suivre pour chaque médicament tous les années. Et mon partage sa réponse sur là. Et c'est un moyen qu'il peut essayer de mettre en place pour contrôler importation parallèle, on va valider si ça peut être efficace et si ça va pour à l'inverse faire prix médicaments augmenter. Il concerne toujours le monde pharmaceutique. Nous connaissons que récemment il y a une interdiction de certains médicaments, notamment une potion de sirop, tu sais, dans l'aine. Et nous connaissons ce médicament là, il rentre Maurice, il est importé Maurice. Et mon PDM, le ministre de la Santé, si pas pour continuer. Gagne ban médicaments, ban sirop contre la tour Maurice, ban médicaments qui fin banni dans l'aine. Donc, on attend son réponse pour les gens qui mesurent les prendre pour deal avec ban médicaments qui sont banni dans l'aine, mais qui sont toujours disponibles au marché mauricien et dans nos ban hôpital public. Merci. Ça, c'est maintenant.
camarade Rajesh pour un complice l'Orban toxique de Rakesh Gulgori auprès de l'ex-Mauritius Post and Cooperative Bank. Il peut aussi demander un détail, le conseiller légal de l'État. Camarade Reza, vous pose question le hélicoptère. Il peut envie de connaître combien fois il service à Man Angela, le nombre d'arrestations en relation avec l'État depuis décembre 2014 jusqu'à présent. Et aussi, il peut demander question le Road Decongestion Program sur le coût et le nombre de projets. Camarade Veda, pour demander détail le recrutement Yushrin Chumka comme directrice de l'IBA. Camarade Adil, vous demandez question sur le nombre de voyages qui speaker il fait depuis l'élection et leur mauvaise qualité d'enregistrement de ma caméra le pour hier soir. Camarade Zuber, vous demandez une question sur l'enregistrement de ma médecine et contrôle de mes produits pharmaceutiques, le marché et ma interdiction de ma sirop de tout. Et comment on connaît, camarade Franco, il déjà cause le mancisé qu'il peut aborder sa semaine-là. Merci beaucoup, on retrouve très bientôt l'OMMM TV.